J'hésitais à faire un truc en vrai où j'arrive dans le cadre, où je m'affale un peu sur le fauteuil. Bon, j'avais décidé que je ferais vachement moins de vlogs, si ce n'est plus du tout, et me revoici. Ça vous a peut-être pas échappé, mais YouTube globalement ça n'existe plus. Je peux plus recevoir de sous dessus, vous pouvez plus en donner, et du coup c'est tous mes moyens d'existence financiers qui viennent de disparaître du jour au lendemain, ce qui est un peu une crise un peu sans précédent de l'histoire de la chaîne. Je suis pas la seule dans ce cas-là forcément, parce que tous les créateuristes qui passaient principalement par YouTube sont dans la merde, donc si jamais vous donniez à d'autres gens que moi, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à leurs réseaux sociaux pour... Voilà. J'ai appris tout ça il y a 2 jours. Ça a été mis en effet hier. Et du coup, j'ai passé tous ces jours-là à essayer de reconstruire à partir de zéro. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement pour vous dire à nouveau que ça serait hyper chouette de soutenir la chaîne. Et moi, par la même occasion, pour vous donner un petit ordre d'idée, au moment où je tourne cette vidéo, il y a 3 jours, je touchais 400 euros par mois. Il y a 2 jours, j'en touchais zéro. Et là, je suis à 100. Donc, il y a quelques personnes qui se sont remises, etc. J'ai essayé d'envoyer des mails un peu partout, enfin voilà. Mais mon médium principal, c'est les vidéos YouTube. Donc, je fais une vidéo aujourd'hui pour vous dire les choses. En fait, finalement. Il y a techniquement 3 liens de soutien. Le principal, c'est KissKissBankBank. Pour un don mensuel, c'est l'idéal, c'est pas compliqué à faire. Et en gros, j'étais à 5% de frais sur Utip avant. Sur KissKiss, je suis à 6%. Ça change pas grand-chose pour moi. Ensuite, il y a Tipeee. Tipeee permet également de faire des dons mensuels, mais ils prennent plus cher et permet de faire des dons uniques. Si vous voulez faire un petit don unique, donc jusqu'à 50 euros, mettons, c'est la plateforme à privilégier. Et au-delà, si vous voulez faire un don unique, il y a Ko-fi. Ko-fi prend des frais fixes. Donc du coup, pour tout ce qui est tout petit machin, c'est très très peu pertinent. Mais dès que ça commence à prendre de la somme, ça devient au contraire très pertinent. Donc voilà, vous avez toutes les informations. Les liens sont en description, bien évidemment. J'ai modifié sur les écrans de fin de toutes les vidéos, j'ai modifié dans la propos, j'ai modifié un peu partout. J'ai un peu spammé les réseaux sociaux, donc c'est un peu difficile de passer à côté. Je le redis, je sais que les temps sont compliqué, dur, raide. Entre l'inflation et les camarades qui font manif et qui du coup ont vachement moins de sous, je sais que c'est difficile. Vous vous doutez que c'est devenu compliqué pour moi aussi. Plus d'argent. Mais voilà, à nouveau, si tout le monde donne 1 euro, je deviens riche ici, mais il faut que je fasse du partage de richesse. Vous voyez, donc je sais que tout le monde ne le fera pas. Donc si jamais toi, derrière ton petit écran, tu peux faire, bon, je vais donner 1 euro par mois à Youfi, ça fait 12 euros par an. C'est gérable dans ma comptabilité, et Youfi, elle sera trop joyeuse. Parce que ça aide en fait, parce que vous êtes plein, mine de rien. Genre, je râle tout le temps que je touche pas à cette personne, mais vous êtes plein. Côté nude, ça ne vous a pas échappé parce que j'en ai parlé plein de fois, mais j'utilisais également Utip pour les nudes. Donc, du coup, j'ai plus de shop. Il n'y a aucun endroit sur la planète où réavoir ce que j'avais. J'en avais un sur Manyvids de shop, mais Manyvids accepte que les cartes Mastercard ou des cartes américaines comme ça. Donc, autrement dit que vous, ma fanbase qui êtes francophone et principalement basée en Europe, ne pouvez juste pas acheter des trucs dessus. Et de toute façon, ils prenaient des pourcentages monstrueux. Donc, je suis en train de reconstruire tout ça. Le seul truc qui existe encore et qui fonctionne, c'est la newsletter. Donc, abonnez-vous à la newsletter si vous aimez mes nudes et je ferai suivre les liens par là. Je ne sais pas encore exactement comment je fonctionnerai. De toute façon, la newsletter, ça sera le seul endroit où ça sera possible d'avoir les photosets à un prix vraiment défiant, entre guillemets, toute concurrence. Parce que toutes les autres plateformes, ça va être plus compliqué, ça va être des systèmes différents et ça va être des frais différents. Donc, la newsletter, pour vous donner un ordre d'idée, je crois que j'envoie un mail tous les 3 mois en ce moment. Normalement, c'est un par mois. Bref, comme je l'ai dit sur Twitter, bisous. Je sais que ça fait un peu solution de grand-mère. Je sais qu'on est à 2 doigts de taper 3615 Youfi nu sur son Minitel. Je sais tout ça. Mais entre le Formica Punk du cul et le néolibéralisme des fesses, j'ai décidé de ne pas faire de choix parce que j'ai pas le choix. Mais voilà, aller vers le Formica Punk du cul, c'est moins cher. Moins cher, c'est plus mieux. La solution non Formica Punk du cul, mais du coup vachement plus accessible, entre guillemets, ça sera Patreon. Alors Patreon, ce qui se passera, c'est que grosso modo, tous les mois, je vais publier un des vieux sets par ordre chronologique et un set tout neuf que j'aurai fait dans le mois. Pour
Les merch, je faisais des goodies avec genre tout un tas de logos hyper chouettes. Ça, c'est plus tard. Je vais chercher des alternatives. Si jamais vous avez des idées, des shops que vous savez que telle ou telle créatrice utilise et qui est vachement bien ou vachement éthique ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre dans la description. Les commentaires. Parce que actuellement, je ne suis pas en recherche parce que c'est vraiment pas la priorité. Mais d'un autre côté, à un moment donné, je vais avoir envie de remettre ça sur pied. Donc du coup, si vous m'avez donné tout un tas d'idées, bah, moi, ça me facilitera du travail à la moi du futur dans plus tard. Merci encore à toutes les personnes qui ont soutenu la chaîne un jour, de quelque façon que ce soit. Et j'espère que vous allez pouvoir me renouveler ce soutien parce que, bah, parce que c'était super bien et que ça me donnait vachement d'espoir et que ça me permettait d'être hyper enthousiaste sur l'avenir de la chaîne. Et là, ça donne un peu envie de traverser la rue, si vous voyez ce que je pour aller cramer des... Enfin, voilà. Prenez soin de vous, surtout si vous allez en manif. Bon courage. Et on condamne pas les violences ici. Soutien inconditionnel aux manifestants. Cette fin de vidéo est en roue libre totale, mais je dors très mal et très peu en ce moment à cause de toute cette histoire. Je suis bourré de stress, donc je vous fais des bisous et donnez-moi des sous, s'il vous plaît. Ciao, ciao!